Salut, salut, chers internautes à Montréal, partout au Québec aussi où vous me suivez. Donc ça, c'est M. Sima, le Sima Host. Donc M. Sima, le CEO de Sima Host ici à Montréal. Donc simahost.com, si vous allez me retrouver en ligne. Et là, quand vous me suivez sur Facebook, vous allez me suivre sur YouTube, Instagram, Snapchat, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la deuxième version de la vidéo que j'ai fait précédemment concernant la perte d'emploi ici au Québec. Donc, voilà encore. Donc, Bombardier, c'est moins de 2500 emplois et Bell, moins de 700 emplois. Et les emplois chez Bell, c'était des emplois des cadres. Alors, on va maintenant analyser la source d'information. Et la source d'information, c'est le journal 24 heures. Journal 24 heures, ici à Montréal. Et qu'est-ce que ça dit? En tout cas, vous qui pensez que vos jobs sont protégés. Oh, je travaille au gouvernement. Oh, je travaille dans la compagnie. Oh, j'ai ma pension de retraite. Vraiment, j'ai pitié de vous. Je dois vous dire la vérité. Donc, que vous l'aimiez ou pas. Au moins, je vous l'avais dit. Donc, ça, c'est le journal 24 heures. Quand vous regardez ici, hein, ces gens-là étaient à l'emploi. Ils ne pensaient pas qu'un jour, leur job, donc leur boulot, seront abolis. Ils ne pensaient pas. Ça, c'est chez Bell. Hein. Donc, ça dit, Bell sabre 700 postes de cadres. Les temps sont durs. Et ils vont continuer à être durs de plus en plus. Ça, c'est juste le début. Donc, si vous ne savez pas que vous pouvez commencer un business pour que ça vous sauve plus tard. Imaginez-vous si vous aviez un business qui vous permettait au moins de gagner un 100 dollars par jour de bénéfices. Un 100 dollars par jour de bénéfices, ça vous fera au moins 3000 dollars de bénéfices. Et ça, ça peut payer le loyer, payer vos dépenses et puis ça peut vous faire vivre. Donc, quand il y a une surprise, au moins vous êtes dans le bon. Vous avez de l'argent en banque, vous avez un compte là où vous avez gardé. Parce qu'il faut avoir au moins un minimum de 6 mois de dépenses en liquide sauvegardées à côté. Ça, c'est selon les statistiques de riches. Maintenant, regardez. Les temps sont durs pour les employés de Bell depuis 4 mois. Les géants des télécoms a mis la hache dans son équipe de gestion en éliminant pas moins de 700 postes de cadres, dont plusieurs au Québec. Qu'est-ce qui nous arrive au Québec, vraiment? Hein? Alors, si tu habites au Québec ici, tu es concerné. Toi qui me regardes, donc, si tu habites au Québec, tu es concerné, ok? Tu es concerné par les pertes d'emploi. Tu devrais te concerner. Tu devrais être concerné. Donc, alerte, alerte, alerte. OK? Donc, là, c'est bien dit, hein? Ça se passe vraiment partout, dans toutes les unités d'affaires. Du jour au lendemain, on a vu des cadres qui prenaient leur retraite de façon très anticipée. L'employeur n'explique pas sa restructuration. Vous avez bien entendu? L'employeur n'explique pas sa restructuration. On ne vous doit rien comme explication. On vous a engagé, vous êtes là, vous êtes juste une marionnette. Vous venez, on vous paye le salaire et quand on n'a plus besoin de vous, oust! Out, dehors.
Du jour au lendemain, on a vu des cadres qui prenaient leur retraite de façon très anticipée. L'employeur n'explique pas sa décision et n'explique pas sa restructuration. Mais on s'en rend bien compte avec le nombre de personnes qui partent, a commenté une source interne. Mais on s'en rend bien compte avec le nombre de personnes qui partent, a commenté une source interne. Ça me fait très mal. Ça me fait très très mal de voir des nouvelles comme ça. Donc c'est pourquoi 10 ans en avance, moi j'avais commencé mon business. J'ai 7 sources de revenus. J'ai au moins 7 sources de revenus. Donc, vous aussi, il faut penser, hein, parce que n'attendez pas que ça vous arrive. Alors, les états financiers du troisième trimestre, diffusé jeudi, confirment que BCE, c'est la maison mère de Bell Canada. OK? Donc, c'est la maison mère qui chapeaute l'entreprise Bell. OK? A procédé à une réduction nette de 4% des postes de cadres au cours des 120 derniers jours. La société comptait donc près de 17 500 cadres sur un peu moins de 52 000 employés à l'échelle du pays. L'entreprise dont le siège social est situé à l'île des Sœurs s'attend à générer des économies annuelles d'environ 75 millions de dollars avec ces compressions. Donc, on va vous mettre dehors pour économiser de l'argent. Pourquoi vous attendez ça? Pourquoi vous attendez qu'on vous mette dehors? Donc, 10 ans plus tard, pour trouver un job, ça va être très, très, très difficile. Les machines, actuellement, ça remplace des humains pour faire le boulot. Pas tous les boulots, mais ça va être la majorité. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, vous ne connaissez rien en informatique, alors venez nous demander, nous qui comprenons l'informatique. On va vous expliquer qu'est-ce qui vous attend. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, il y a 10 ans en avance, quand j'avais commencé Sima Host, j'ai fait un petit voyage en Chine et je n'avais que 2500 dollars dans ma poche. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, c'est pour vous encourager. Je dis ça seulement pour vous encourager. Donc, pour l'amour du ciel, faites quelque chose. Commencez des business. Comme ça, vous allez sécuriser l'état financier de vos familles. Même si vous retournez, vous allez retourner à l'école pendant combien de fois? Vous allez retourner à l'université pour avoir combien? 5 diplômes? 5 diplômes, vous allez travailler 5 places différentes? Et même si vous en avez 5, 3, 4, 2, ce n'est pas à dire que vous allez gagner plus. Alors, on continue. Je suis tellement déraciné, émotionné par des pertes d'emplois comme ça. Bombardier, moins 2500 emplois ici au Québec. Bell, moins 700. Ça, c'est des emplois. C'est pas de n'importe quel genre d'emploi, ça. C'est pas de manufacture. Et ils ne voyaient pas venir. Tous ces gens-là qui travaillent là ne les voyaient pas venir. C'est comme vous, quand vous travaillez, vous ne voyez rien venir de là où vous travaillez. Jusqu'à ce qu'on vous surprenne. Demain, vous rentrez, on vous dit, voilà votre enveloppe. Ou bien, ne rentrez pas demain, on va vous appeler. Donc, une compression de 75 millions de dollars, il faut mettre les gens dehors. On n'a plus besoin de vous. Donc, la meilleure personne qui peut vous protéger, c'est vous-même. Je répète, la meilleure personne qui peut vous protéger, c'est vous-même. Les actions que vous entreprenez aujourd'hui vont vous protéger demain. Et ce que j'aime au Québec et au Canada en général, tout le monde a une chance d'entreprendre. Tout le monde a une chance de devenir indépendant. Ou bien
choisir un système et vous travaillez à commission. Le plus que vous mettez, le plus que vous gagnez. Quand vous travaillez en commission, quand vous avez votre business par exemple, là, vous travaillez. Celui-là, il a pensé, il a créé un business et puis il vous a amené, allez, venez travailler pour moi. Quand je n'ai plus besoin de vous, je vous mets dehors. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas quatre chemins. Donc, la situation continue donc de se dégrader au siège social où on ne compte plus un seul membre de la haute direction ayant des responsabilités pan-canadienne. Je répète, la situation continue donc à se dégrader au siège social où on ne compte plus un seul membre de la haute direction ayant des responsabilités pan-canadiennes. Le chef de finances étant désormais établi à Halifax, il y a plus que Martin Turcotte pour garder le fort à Montréal. Et ses responsabilités se limitent au Québec. Efficacité opérationnelle. La direction de l'entreprise n'a pas souhaité accorder une entrevue au Journal de Montréal. Elle a aussi refusé d'indiquer combien d'emplois avaient été éliminés au Québec. Une porte-parole a toutefois précisé que cette décision découle notamment de l'intégration d'entreprises au cours des dernières années telles que Bell MTS au Manitoba, l'efficacité opérationnelle des nouvelles technologies serait également en cause. Les nouvelles technologies vont prendre vos places au travail. Commencez maintenant à faire des business. Si vous ne savez pas comment faire un business, j'ai une centre de formation en haut ici. Donc, venez prendre une formation chez moi. J'ai une centre de formation en haut, au centre Simahost. Je peux vous former. Donc, vous pouvez me contacter au 514-449-4821, texto, WhatsApp, IMO. Texto, WhatsApp, IMO. Si vous appelez, je peux répondre, mais si la ligne est occupée ou bien vous tombez dans la boîte vocale, s'il vous plaît, ne laissez pas de message vocal. Donc, envoyez-moi un texto, un WhatsApp, un email, et là, on va communiquer. Si vous voulez prendre un rendez-vous, j'ai un centre de formation en haut, au 4214, au centresimahos.com. Si vous ne savez pas comment commencer un business, je peux tout vous relater, comment commencer un business, comment enregistrer une entreprise, comment joindre un MLM, comment avoir un numéro de taxe, comment avoir un numéro import-export. Donc, comment est-ce que vous pouvez mettre en opération votre propre business en étant toujours au même travail là où vous êtes. Et à ce moment-là, vous commencez à côté. Si ça barre d'un jour, au moins vous allez avoir un revenu à côté qui va vous aider. Donc, ne comptez pas beaucoup au chômage, ne comptez pas beaucoup au bien-être social parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde parce qu'avec des pertes d'emploi, il n'y a pas assez de revenus. Même chose pour la retraite. Il faut que des gens travaillent pour qu'on vous donne une retraite. Donc, si on va vous donner une, ça sera très très mince. Très très mince, je répète. Et vous n'aurez pas à vivre sur cela. Alors, on dit légère hausse de bénéfices. BCE a vu ses revenus augmenter de 3,2%, passant de 5,69 milliards au troisième trimestre de 2017, dont ils ont passé de 5,69 milliards à 5,87 milliards pour celui de cette année. Ils ont fait un peu de bénéfice réel légère de 3,2%. Mais avec des intérêts, avec des bénéfices qu'ils font, ils éliminent le boulot. Maintenant, quand ils vont faire des pertes,
ils vont en éliminer combien? Quand ils sont dans les bénéfices, ils éliminent les emplois. Maintenant, quand ils vont être dans les pertes, ils vont doubler la, au moins quoi? Ils vont doubler les licenciements. Vraiment. Son bénéfice net a crû de 2%, avec une hausse de 17 millions, pour s'établir à 867 millions pendant cette période. La stratégie de Bell, qui mise sur l'investissement dans les réseaux en large bande, l'amélioration continue des services et l'efficacité des activités d'exploitation, porte ses fruits. Des résultats de premier plan dans le marché du meilleur performance financière interne et des innovations en matière de services, dans tous nos secteurs d'activité, a déclaré Georges Kopp, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada, lors de la divulgation des résultats. BCE dit avoir gagné un nombre record d'ajout net d'abonnés au service sans fil. Ça, c'est le service de cellulaire. Avec un total de 178 000, cette hausse s'explique notamment par la croissance de son service à faible coût, l'acquis mobile et le nombre le plus élevé d'ajouts nets d'abonnés des services post-payés depuis 2012. Avec 86 000 abonnés de plus. Maintenant, si l'homme blanc prend tout son temps pour faire des statistiques comme ça, si, je répète, l'homme blanc prend le temps de faire des statistiques comme ça, et toi, l'homme noir, bon, tout le monde va suivre cette vidéo, mais je m'adresse plus aux Noirs. Que vous soyez de l'Afrique, que vous soyez des Caraïbes, que vous soyez d'Haïti, que vous soyez du Québec. Prenez le temps de faire aussi des statistiques de votre propre calcul. Prenez le temps de faire les statistiques de votre propre gestion financière. Regardez. Recule un peu en arrière, tous les années que tu travailles, où est-ce que tu en es actuellement? Donc, les résultats de ce que toi-même tu as actuellement est proportionnel à la connaissance qui est dans ta tête. Je répète, les statistiques comme ça sont faites pour améliorer la performance financière de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, qui mette en péril vos boulots, votre poste, il s'en fout aussi longtemps qu'il fasse des bénéfices. C'est ça ce qui compte. Maintenant, vous-même, quand vous lisez ça, prenez le temps aussi de faire des statistiques. Regardez votre compte de banque. Est-ce qu'il y a un plus ou bien il y a un moins? Est-ce que ça stagne ou bien ça dégringole? L'état financier de ton entreprise, chez toi à la maison, parce que tu es le chef de la maison, ou bien tu es une femme monoparentale, ou bien un papa monoparental, et là tu es le chef ou bien la cheftaine de ta maison. Mais recule un peu, puis regarde financièrement parlant, est-ce que je suis en train de progresser ou bien je suis en train de dégringoler? Il n'y a pas de constance. Je répète, il n'y a pas de constance. Vous ne pouvez pas rester constant. C'est soit vous vous améliorez ou bien vous dégringolez. C'est comme ça. Alors, les statistiques, c'est très, très, très important. C'est pourquoi je vais toujours aller voir sur Statistique Québec. Je suis toujours allé, je regarde toujours sur Statistique Canada et j'analyse. Faites la même chose. Je vous encourage. Pour l'amour du ciel, je vous encourage. Ne soyez pas surpris le lendemain, après-demain. Et puis vous allez commencer ce boulot-là.
Après 3 mois, c'est fini. Vous allez dans un autre boulot, après 1 an, c'est fini. Vous allez dans l'autre, après 3 ans, c'est fini. Vous allez dans l'autre, après 4 ans, c'est fini. Vous tournez en rond. Par après, vous regardez les comptes des banques, c'est toujours la même chose. Ça ne change jamais, ça n'évolue pas, ça ne progresse pas. Au moment où nous tous, nous avons accès aux 24 heures. Nous avons accès aux 24 heures. Nous avons accès au même soleil, au même vent, à la même neige, au même bonheur, aux mêmes souffrances. Tout le monde traverse des choses. Donc, on ne peut pas donner ça comme excuse. Donc, ça dépend des degrés. Mais, en fait, compte, faites des statistiques. L'autogestion. Regardez là où vous êtes. Et puis, regardez là où vous voulez aller. C'est comme ça. Et ils regardent. Ils regardent où est-ce qu'ils en sont et où est-ce qu'ils veulent aller. Comment multiplier l'argent? C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Comment multiplier l'argent? Alors, 88 000 abonnés de plus. Dans les services Internet et des télé IP à large bande, une hausse de 8,7% par rapport au troisième trimestre de 2017. BCE dit avoir connu la plus forte progression de l'industrie dans ce secteur. Dans le service Internet, je répète, je parle toujours de l'Internet. Comment les gens sont en train de se faire des millions, que ce soit Bell Canada, que ce soit des individus qui entreprennent dans l'Internet, que ce soit ACN qui entreprennent dans l'Internet, on est en train de se faire des millions. Alors, moi et toi, on doit aller chercher la part du gâteau. Si vous avez bien compris, moi et toi, donc moi et vous, il faut qu'on aille chercher la part du gâteau. Internet, dans le service Internet et des télé IP à large bande, une hausse de 8,7 par rapport au troisième trimestre de 2017. Il compare 2017 à 2018. Alors vous, vous comparez quoi? L'haricot et le riz? Vous comparez quoi? Votre diplôme de graduat avec votre diplôme de licence ou bien de doctorat? Vous comparez quoi? Ici, on parle des chiffres. Tout se passe dans les chiffres. Il faut comparer. L'année dernière, j'avais 1 000 $ en banque. Cette année, j'ai au moins 5 000 $ en banque. Donc, vous avez fait au moins une progression. On parle des chiffres. C'est avec les chiffres. Vous allez acheter avec les chiffres. Statistiques. Donc, j'espère que j'avais quand même pris un peu de temps pour partager ça avec vous. C'est vraiment au fond de mon cœur que je vous encourage à commencer un business. Si vous m'écoutez, pour l'amour du ciel, faites-vous une faveur. Commencez un business quelque part. Si vous ne savez pas comment faire, donc, je répète, 514-449-4821, texto, WhatsApp, IMO. Si vous appelez, je peux répondre. Si je ne réponds pas, live, c'est parce que je suis occupé. Mais si vous me laissez un message, je vais absolument vous répondre. Que ce soit un message par WhatsApp, IMO, texto. Et puis, on va fixer des rendez-vous si vous êtes intéressé. J'ai un centre de formation, je peux vous former. Ajoutez un peu sur vos connaissances que vous avez déjà. Tout ça dans le but de s'améliorer financièrement et d'avoir un futur meilleur. À la prochaine.